Aujourd'hui, en ce 30 septembre, les élèves de quatre coins de la province rendent hommage aux élèves des pensionnats indiens et prennent un engagement collectif afin de s'assurer que chaque enfant est pris en considération. La date du 30 septembre a été choisie parce qu'il s'agit d'un moment où les enfants autochtones étaient retirés de leur communauté pour vivre en pensionnat. C'est une occasion à saisir pour les Premières Nations, les gouvernements locaux, les écoles et les communautés en vue d'unir leurs forces dans un esprit de réconciliation et d'espoir pour les générations futures. Pour souligner la journée du 30 septembre, nous écoutons l'hymne national en langue crie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, ce matin, je t'ouvre la porte de tout mon être pour les prochaines 24 heures. J'accueille ta présence réelle et miséricordieuse dans tout ce que je suis, et cela peut inclure mes joies, mes réussites, mes forces, mais aussi mes blessures, mes fragilités, mes dépendances pas toujours avouables. Seigneur, je reconnais que tu as un amour infini pour moi et que je suis ton enfant béni malgré tous mes défauts. Je te laisse l'entière liberté de m'aider divinement. Quoi qu'il puisse m'arriver dans les prochains 24 heures, je te remercie d'avance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. C'est lundi, ce qui veut dire que nous allons découvrir un autre ancien de Sam qui travaille ici. Vous la connaissez tous si vous avez pris le cours d'art dramatique en 9e année. C'est Mme Trépanier. Mme Trépanier a gradué ici à Sam. Je lui ai demandé c'est quoi son moment le plus mémorable en tant qu'élève ici et de me décrire Sam en un mot. Voici ce qu'elle m'a répondu. Mon moment le plus mémorable à Samuel Jeunesse, c'est vraiment tous les spectacles. Les spectacles de mime, de clown, les bye-bye. Je me rappelle, en tant qu'élève, j'adorais ma prof de théâtre. Je voulais être une prof de théâtre comme elle. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de pouvoir réenseigner dans ma classe et d'avoir des merveilleux élèves et d'avoir participé à plusieurs spectacles. J'ai même le chandail du premier bye-bye de Samuel Genet en 1990. Et si je décris Sam en un mot pour moi, c'est la famille, l'appartenance, le plaisir, le réconfort. J'adore Samuel Genet. Je ne me vois pas ailleurs qu'à Samuel Genet. En passant, il ne reste que 3 dodos avant la grande journée. Je vous souhaite une bonne journée. Avoir notre langue dans nos poches, je vais chanter, que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, je vais chanter,
présent, là où il le faut, faut se lever. Les poumons de l'humanité étant en train de brûler, à un rythme accéléré, arrêtons l'autodestruction et commençons la construction. La forêt Amazonie a une superficie de plus de 5,5 km². En brûlant, nous asphyxions la planète. Sauvons la forêt Amazonie. Ensemble, sauvons l'Amazonie.